Prends ton temps, hein. Ne presse surtout pas. 5h15. Non, mais ça fait plus d'une demi-heure que je suis planté comme un guignol, là. Non, t'es gonflé, Martine, franchement. Écoute, hein. Mais commence pas à m'engueuler, je me suis perdu dans les étages, rien n'est indiqué, on comprend rien. C'est écrit, là, en gros. Et en bas, c'est pareil, c'est indiqué, il suffit de regarder. On te dit machin premier étage, truc deuxième étage, c'est très clair. Je ne l'ai pas vu. Tu crois que ça m'amuse de courir partout? Tu devineras jamais qui j'ai rencontré en sortant de mon cours de danse. Devine. J'en sais rien, mais... Tu vas être bien étonné. Je l'ai invité samedi à dîner. Tu l'as invité à dîner samedi? Oui. Tu aurais dû m'en parler avant. C'est qui? Incroyable. Et alors? Oh, il est resté très sympa. On est allé prendre un verre. Ah ouais? Il y a un bureau juste au-dessus de mon cours de danse. Tu te rends compte? Et je l'avais jamais vu avant. Et tu l'as invité samedi? Oui. Il a dit oui? Il souvenait nous? Bien sûr, évidemment. Il était hyper content. Il a dit mais oui, avec plaisir. Il est toujours avec Charlotte, figure-toi. Ouais. Je les ai invités tous les deux. Il est resté sympa, mais non, mais tu peux pas savoir. Ah non, mais c'est une bonne nouvelle, ça. Non, c'est vrai, non, je me réjouis. Ah, moi aussi, je me réjouis. Arrêtez avec les pistaches. Vous allez vous coucher l'appétit. Oui. Oui, c'est encore pour toi. Ah. Oui. Marilyn. Ah. Non, ah, allez donc. Bon, mais tu viens quand même. Charlotte. Bonsoir. Bonsoir. T'es toute seule? Il cherche une place. Oh, c'est gentil, ça. On est en retard. Hein. Mais c'est pas grave, c'est pas... Je suis désolée. Mais non. On est resté bloqué à l'autre colis pendant une demi-heure. Je sais pas ce qu'il y a ce soir, mais c'est... C'est Georges? Oui. Entre, je vais te présenter mon frère. Non, mais bon, d'accord. Mon frère... Fred, excusez-moi. Ah, c'est toi, tu bon, dois être morte de soif. Hein. Allez, bisous. Georges, tu es occupé? Je fume. Je vois bien que tu fumes, je te demande pas si tu fumes. Tu peux me donner un petit coup de main, s'il te plaît? Merci, tu m'as bien aidé. Tu vas dîner dans la cuisine? Je prends l'air. Je suis dehors, je prends l'air. Champagne.
train de passer la soirée ici. Ah, quel mépris. 2 heures de retard. Et pour finir, un prétexte débile, trouvé à la va-vite. Même pas foutu d'inventer quelque chose de plausible. Il n'y a que du mépris là-dedans. Ils se sont excusés, Georges. Ça arrive d'être coincé en voiture. Qu'est-ce que ça peut me foutre, cette excuse sur les embouteillages? Ils découvrent les embouteillages? Ça fait 40 ans qu'ils habitent ici. Ils devraient être prévenus maintenant. À Paris, il y a des embouteillages. Non, non, tu comprends, être en retard, ça fait riche. Et quand on est célèbre comme lui, n'en parlons pas. C'est une tradition. C'est quasiment obligatoire. On tarde, et on apparaît enfin aux yeux du peuple. Ah, évidemment, hein, c'est le monsieur qui passe à la télévision. Belle affaire. Quel con qui passe pas à la télévision. Ils se sont platement excusés, lui et elle. Ça devrait suffire. Et puis c'est pas 2 heures, c'est à peine 1h15. Bon, disons 1h22 par exemple. C'est toujours du retard, non? Ah, mais c'est très disproportionné tout ça. Non, non, pas du tout, pas du tout. Pour moi, ça arrive de disproportionné. Je me suis même trouvé coulant, moi. Je soupire pas comme ça, comme si t'avais affaire à un enfant ou un malade. Tu sais très bien que je suis plus à cheval que toi sur certaines choses. Mais tu es toujours à cheval. Tu passes ton temps à cheval. Descends, détends-toi, souffle un peu. Je n'ai pas envie de descendre, figure-toi, je me sens très bien à cheval. Je préfère être à cheval qu'à genoux. Non, mais Georges, il y a un monde, écoute. Non, franchement, il y a un monde entre les deux. Oh, puis je vais pas discuter 1 heure maintenant parce que c'est moi qui suis un peu. Ouais, ouais, voilà. Surtout, ne laisse pas refroidir, c'est pas ici l'événement, c'est là-bas. Oh, t'es chiant, mais quand tu t'y mets, t'es chiant, Georges. Vraiment, excuse-moi de te le dire. Oh, de toute façon, je le sentais, ça. Je l'ai dit à Martine, elle avait pas besoin de moi, elle le sentait aussi. J'étais même convaincu que tu ferais la gueule ou que tu trouverais quelque chose à redire. Et effectivement, tu me bousilles tout d'entrée. Ils arrivent avec 2 heures de retard et c'est moi qui te bousille tout d'entrée, mais c'est le monde à l'envers, Jacques. Et puis, n'exagérons rien, il y a pas de catastrophe. Je suis parti brutalement. Bon, c'est pas insurmontable. Ils auront simplement pensé que j'ai accusé le coup, là. C'est le fait de les revoir. Un choc affectif, disons. Un choc affectif? Est-ce que je suis arrivé en retard, moi? Mais tu habites ici, c'est plus facile. Je sais plus comment ça marche, ça. Puis on n'attendait pas sous la pluie, Georges. On était dans le salon, tranquillement, hein? On discutait, entre nous. On était morts de faim, on a tourné en rond, voilà ce qu'on a fait. Moralité, je me suis bourré de pistaches comme un con. Et Martine aussi, d'ailleurs, vous êtes complètement coupé l'appétit. Bon, je suis impoli, moi aussi, il faut que j'aille. Et Charlotte? Bah quoi, Charlotte? Bah, tu n'es pas content de la voir, Charlotte? Elle, oui. Elle a dû te trouver bizarre. Elle a dû me trouver bizarre? Elle a dû me trouver bizarre? Bah, elle s'en remettra. Moi aussi, à l'époque, j'avais trouvé bizarre, puis je m'en suis remis. Oui, enfin, je vois que tout ça est resté très vivant. C'est bon signe. On va quand même bouffer, hein? On a encore faim, non? Bah... Et puis on va alléger un peu. Non, moi, je crois qu'il faut dédramatiser, tu crois pas, Georges? Oui, oui, ben je fais ce que je peux. Tu sais, tel que tu me vois, là, je dédramatise déjà beaucoup. Peut-être pas très spectaculaire, mais je prends énormément sur moi. Tiens, je vais prendre du jus d'orange, ça fera le type qui s'était absenté pour aller chercher à boire. Non. Mais moi, je fume une autre cigarette, là, puis j'arrive dans 2 minutes. Ça fera le type qui s'est convaincu tout seul. Allez, fais pas la bêtise, va lui dire bonjour. Non, je veux pas lui dire bonjour. Tu les belles, alors toute la journée, c'était mille maman, je veux dire bonjour à monsieur, puis là, elle est fait. Alors, comment tu t'appelles? Alice. Allez, Alice. Va lui dire bonjour, ma puce. Non, je veux pas. Mais pourquoi? Tu veux qu'il mette dans l'eau? Non, je t'en prie, te dérange pas. Non, écoute, y'a pas de problème. C'est par où? C'est la cuisine, c'est par là? Merci, hein. Allez, Alice, écoutez. Non, mais laissez-la, elle est fatiguée, laissez-la. Non, 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 j'ai une sorte de bouffée de chaleur et il fallait à tout prix que je respire. Ça va mieux? Ça revient doucement. On n'a même pas eu le temps de se dire bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'attendez pas du tout de voir ici? C'est-à-dire que vous avez pas dit que tu serais là? Il a dû me compter avec les meubles. J'habite ici en ce moment, je couche dans le salon. Il me dépanne pour quelques temps. C'est gentil de sa part? T'en veux une? Non, non, merci, je viens d'en manger 250, là, je cale un peu. Tu écris toujours, d'après ce que j'ai vu? Ce que tu as vu, quand? Bah, j'ai lu une nouvelle, une fois. Ah oui, la nouvelle, oui. Oui, alors j'écris toujours, dans ce cas-là. Et toi, ça marche bien? Oui, ça va. Je travaille trop, mais ça va. Ah, ouais, ça, c'est terrible de travailler trop. Moi, je travaille très peu, justement, à cause de ça. Et, vous arrivez en retard à tous vos rendez-vous, ou seulement ceux qui sont pas importants? Pourquoi tu dis ça? Je me demandais. Est-ce que t'es désagréable? Ça n'a rien à voir avec l'importance du rendez-vous. Ça m'amuse jamais d'être en retard. On était coincés, ça peut arriver. Enfin, on s'est excusés, je sais pas quoi dire d'autre.
Non, non, mais c'est moi qui suis rancunier. J'ai beaucoup de mal à quel genre retard. Ça me détruit l'humeur et je mets du temps à me reconstituer. Tu sais, il y a certaines choses comme ça qui te rendent plus sensible que d'autres. Et toi, c'est le retard. Oui, j'ai bien compris. Je suis désolée. Mais Charlotte, je suis content de te revoir. Je suis très content de te revoir. Tu es devenue une vraie femme. Oui, il fallait s'y attendre. Et qu'est-ce que tu as pensé de ce que tu as lu? C'est-à-dire? La nouvelle. C'est juste pour savoir, par curiosité. Très bien. Si je me souviens bien, c'était un peu sombre, non? Extrêmement. Extrêmement sombre. J'écris ce que je vois. C'est toujours aussi facile de parler avec toi. Et ben voilà, vous êtes retrouvés tous les deux. Ton mari est en train de nous raconter une histoire là-bas, tout le monde est plié en deux. En fait, bravo Georges, tu t'es distingué, je te remercie. Jacques a été très choqué par ton attitude. Franchement, mais quelle façon de dire bonjour. Oui, 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 je comptais justement aller m'excuser. Hein, je vais lui faire une révérence et puis je vais lui réciter un petit poème de bienvenue. Hein, je suis sûr qu'il sera sensible. Pardon. Il est fou. Il est pire qu'avant, tu sais, lui se bonifie pas. Hein. Mais comment vous avez eu mon numéro? Non mais évidemment, j'ai pas oublié. Non mais évidemment. Et dette d'honneur, absolument. Non, je partage complètement cette façon. Mais justement, je comptais passer ce soir. Non mais nous sommes bien d'accord. Eh ben à tout à l'heure. Oui, enfin, à tout de suite. Attends, tu veux que je te donne un coup de main? Bah écoute, pour dire la vérité, oui, je veux bien. Hein. En général, c'est pas du tout mon genre, j'ai horreur de ça, mais là, je suis tellement débordée, tout d'un coup, on savait plus, on se faisait du souci, on finissait par se demander si vous alliez venir. Alors, évidemment, pour tuer le temps, on a grignoté, j'avais acheté un énorme sac de pistaches, je suis folle des pistaches, moi, je pourrais en manger des kilos. Pardon. Oh, et Jacques, il nous fait une guerre terrible. Arrêtez, vous allez me couper l'appétit. Georges, que ça n'amusait plus du tout. Hein. Enfin, Georges, tu le connais, il n'y a pas grand chose qui l'amuse. Hein. Georges, c'est Georges. Je sais pas si tu t'en souviens, mais c'est quand même un vrai scorpion. C'est le scorpion tout craché, genre. Un vrai scorpion, c'est-à-dire? Ouh, mais c'est le pire des signes. Moi, je viens encore de lire un énorme chapitre là-dessus. C'est un signe épouvantable. Hein. Moi, je sais par exemple que je m'entends pas du tout avec les scorpions. Tu étais quoi, toi, déjà? Scorpion. Oh là là, mais oui, c'est vrai. Oui. Mais attention, attention, quel ascendant? Scorpion, enfin, je crois. Ah, et ben voilà, tu m'as fait peur. Ça s'annule. Le même signe comme ascendant, ça s'annule. Par exemple, Gémeaux, ça fait pas quatre personnalités, tu comprends? Enfin, bon, je sais pas exactement, de toute manière, j'y connais pas grand-chose, hein, mais j'y crois beaucoup. Ah bon? Moi, pas du tout. Martine? Non, rien. Enfin, il faut reconnaître que c'est jamais très agréable d'attendre. Seulement, tu sais ce que c'est, un coup de fil, le dernier moment qui dure, qui s'éternise. On n'arrive jamais à raccrocher. Le téléphone, pour ça, c'est terrible, tu es sur le point de partir, et à ce moment-là... Évidemment... Moi, je comprends très bien, je suis une vraie droguée du téléphone. Je sais pas ce que je ferais sans téléphone. Hein. Mais il faut dire que c'est un moyen tellement génial de communiquer. Oui, c'est indispensable, on peut pas dire le contraire, mais c'est envahissant. Et ton mari, ça rend fou, évidemment. Ah non, c'est lui qui téléphone, surtout. Ah, bien sûr, mais oui, bien sûr, que je suis bête. Avec le métier qu'il fait, ça ne doit pas arrêter. Vous devez être hyper sollicité, hein. Voilà, hyper. Oh, ça fait drôle de se revoir. Bah, vous avez pas tellement changé? Toi, tu as changé, c'est fou. Ah oui? Georges me disait que j'étais devenue une vraie femme. Voilà, exactement. Et bah, pour une fois, je suis d'accord avec lui, tiens. Tu peux me couper une étonnante, s'il te plaît? Mais ça fait combien de temps? Une éternité, non? Qu'on s'est pas vu? 10 ans? Oh là là, ma pauvre, mais plus que ça, même, tu te rends pas compte. C'était en... Attends, je vais te dire. Précisément, c'était en... 83. 10 ans, donc. Eh oui. Alors tu imagines, c'est énorme, hein, c'est une vie, hein. Ah, c'est une petite vie, on a le temps de faire un vrai bout de chemin, c'est un cycle. Moi, je crois beaucoup au cycle, et tu sais, 10 ans, on dit que c'est un cycle, hein. Ah bon? Moi, j'avais entendu dire que c'était 7. C'est 7, mais tu sais que 7 et 3, 10, et que 3 ans, c'est un cycle, hein. Et il y a plusieurs cycles, de toute façon. Ça a l'air beau, ce que tu nous as fait. J'ai fait du haddock, je me suis dit que c'était plus original que du saumon. C'est vrai, on fait toujours du saumon, hein, mais... Non, le haddock, c'est très bon, c'est moins à la mode, mais... Non, c'est très goûteux. Martine, ça va pas être grillé, là? Oh, non, il est excessivement long. Le matin, on attend toujours des heures, je le hais, cet appareil. Et toi? Je le connais pas encore, mais c'est vrai qu'il a l'air un peu lent. Qui ça? Non, je plaisantais. Ah oui.
Non, 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 et toi, comment ça va, quoi? Bah, écoute, c'est difficile à dire en deux mots, mais disons que ça va, quoi. Comme je disais à Georges, je travaille beaucoup. Mais ça va. Et toi? Moi, c'est très embrouillé, hein. Très... Ouais, très, très embrouillé. Enfin, on vit, quoi. Hein. Je crois que je vais devenir folle. Je cherche l'ouvre-boîte depuis tout à l'heure. C'est incroyable. C'est Jacques. Ça, il est capable de remettre un objet à sa place. Tu veux que je la porte là-bas en attendant? Oui, s'il te plaît, tu es gentil. Tu leur dis que j'arrive. Dis-leur que j'arrive, mais là, il y a tout à fait en même temps. Je peux pas aller plus vite que la musique. Si tu veux bien leur dire. Et si tu peux demander à Jacques ce qu'il a fait de cette ouvre-boîte. Je vais essayer de me souvenir de tout ça. Merci, Charlotte. C'est hyper sympa. Que je me change, moi j'ai l'air d'une femme de ménage comme ça. Il est long ce couloir. Faut chier. Ne me lâche pas. C'est deux fois aujourd'hui, hein. Une fois ici, une fois chez moi. C'est oppressant. Le climat devient très lourd. C'est qui, il? Non mais ça te dirait rien de toute façon. Bon, malheureusement, Martine ne donne pas aux explications, c'est très simple. Il te faut de l'argent. Je te le fais pas dire. Il me faut au moins 5000 francs dans les minutes qui viennent. Non, avec 5000, je les endors. Enfin, je les assoupis, disons. Et oui, je me suis mis dans une sorte de merdier, si tu veux. Je vois pas ce qui a changé, tu seras toujours dans une sorte de merdier, toi. Hein. Oh là. Ne sois pas si définitive. Toi, tu passes ton temps à dire toujours ou jamais, voilà, c'est tout ce que tu sais dire. Je peux pas discuter avec toi, tu généralises. Je te le dis mille fois, hein, c'est pénible à la fin, ne condamne pas les gens d'avance. On a plusieurs chances. Oui, on a vu des revirements bien plus spectaculaires. Un jour, c'est peut-être moi qui te prêterai de l'argent. Et tu seras bien contente de me trouver à ce moment-là. Toi, tu vas me prêter de l'argent quand? Mais c'est une façon de parler. Ouais. Tu veux la date exacte, là? En tout cas, je te donne pas un sou, ça tu peux en être sûr. Hein. T'as un vrai bonheur de pouvoir se reposer sur sa sœur. Tu t'es déjà beaucoup reposé, on était trop bons, Jacques et moi, et tu le sais. Hein. La gentillesse a des limites. Je te l'ai raconté mille fois, l'histoire de la princesse gelée. Allez, maintenant, on fait dodo. Bonne nuit. Bonne nuit, Quentin. Mais si, à la fin elle se dégèle et elle se marie avec tout type. Allez, couche-toi. Très sympathique ce bonhomme. Hein. Très spirituel. Ah, moi il m'a fait tomber avec son histoire. Une histoire vraie, d'après ce qu'il dit. Ah non, ça fait plaisir de rencontrer une pointure de ce genre. Hein. On perd pas son temps, quoi. Puis on sent qu'il a l'habitude, il manie la langue. Ah, c'est un professionnel. Hein. Non, il gagne à être connu, hein. Je le voyais moins rigolo à la télé. Mon pauvre ami, évidemment qu'il est rigolo. Il est même très rigolo. Et quand on le connaît, on sait qu'il n'a rien à voir avec ce qu'il laisse paraître, surtout à la télé. Eh, l'habit ne fait pas le moine, mon vieux. Bah oui, bien sûr, toi tu le connais mieux que les autres. Oui, eh ben tu ne crois pas si bien dire. Enfin, de toute manière, ça ne te regarde pas, ça. Attends, qu'est-ce que tu me dis là? Il y a anguille? Laisse-moi tranquille. Il y a anguille sous roche, comme on dit. Et ça date de quand, cette petite histoire? Je te dis que ça ne te regarde pas. De toute manière, c'est certainement pas avec toi que j'en parlerai. Bah voilà quelque chose de pas très moral, par exemple. Tu ne sais rien, tu dis n'importe quoi, ne commence pas à m'énerver, Frédéric. Et il y aurait moyen de lui taper 5000, toi tu connais bien. Ils ne sont pas ridicules, aide-moi plutôt, là je suis complètement débordée. En plus, il faut que je me change. Tout le monde s'en fout de cette soirée. À part Jacques, là, qui est anxieux, mais qui ne fait rien, il est simplement anxieux. Et pourquoi tu te changerais? Parce que je me suis tachée. Et où ça, tachée? Je sais pas, là, partout. Marilyn, mais qu'est-ce que t'attends? J'ai l'air de quoi, moi? Ben évidemment qu'ils sont arrivés, ils avaient qu'une heure et demie de retard. Non, écoute, ça fait trois fois que tu m'appelles pour me dire que tu arrives, alors arrive carrément maintenant. T'as du liquide, là? Mais tu peux en tirer? Non, non, mais c'est pas grave. Non, mais à tout de suite, hein, grouille. Qu'est-ce que tu fous, là? Où est Martine? Ben, elle se change, elle s'est tachée, là. Jacques, je me sens complètement cerné. Non, mais elle s'emmerde pas, tout le monde attend. Non, c'est moche, hein. Non, non, c'est vraiment moche, hein. En plus, ça fait au moins deux réflexions qu'il fait sur la bouffe. Bon, il est très drôle, il est très bien élevé, mais il se comprend dès la fin, quoi. C'est normal. Moi aussi, j'ai faim à ce temps-là. Et Georges qui plante l'ambiance, il fait chier lui aussi, tiens. On peut se casser le cul à faire plaisir aux gens. Et Marilyn, c'est pareil, elle est où ta fiancée? Ben, elle arrive, elle vient d'appeler, là. Mais Jacques, je me sens vraiment acculé, là. T'aurais pas un peu de liquide sur toi ou... Donc, si j'ai bien compris, vous me laissez tout seul en plan, là-bas, avec eux? Je sais pas quoi leur dire, moi. Ça fait une heure que je me concentre, là, pour essayer de trouver quelque chose à raconter. Et je suis parti avec beaucoup de bonne volonté. Hein. Je me suis même souvenu de deux ou trois anecdotes là qui nous avaient tellement fait rire à l'époque, mais à part ça, rien. Moi, je veux bien me meubler.
De toute façon, on passe sa vie à meubler, ça ne dérange pas. Mais pour dire quoi? C'est un étranger pour moi, ce type. Je comprends même pas ce qu'il me dit. Ça commence à devenir pénible pour tout le monde, hein, ces longs silences laborieux, là. Georges, une urgence. Est-ce que tu as du liquide sur toi? Non, pas du tout. Très peu. Rien. Je suis dans une très mauvaise posture, là, ça commence à sentir le caramel, comme on dit. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai joué sur parole. Sur parole? J'avais pas l'argent sur moi et puis j'ai perdu. Et ils l'ont très mal pris, hein. C'est normal. C'est des choses qui se font pas, tu comprends, parce qu'on joue l'argent qu'on a sur soi. Et alors? Ben, ils ont dit ce soir. Les derniers délais, évidemment. Autant te dire qu'ils ont un minuscule sens de l'humour dans ces cas-là. Hein. Ce soir? Ne t'en fais pas, Georges, ne prends pas trop à cœur. Tout ça, c'est pour me demander de l'argent. Écoute, je me suis fait arnaquer par des gens qui ont l'habitude de ça et qui ne plaisantent pas, c'est un fait. Des comme toi, mais dangereux. Mais prête-moi du pognon, merde, je suis pressé, là, j'ai le couteau sous la gorge. Vois bien, je suis obligé de te demander un peu d'argent. Toi, t'es à deux doigts de me faire la morale. Mais j'ai rien dit. Non, mais Georges, est-ce que j'ai dit quelque chose? Non, mais ça, c'est extraordinaire, alors. Mais ça fait des lustres qu'il me raconte des histoires de poker dont je me fous éperdument. Avec toujours des arnaqueurs et des arnaqués. Je ne sais pas si ça t'intéresse, toi. Oui, bon, tant mieux. Et toutes ces histoires ne sont qu'un prétexte à demander de l'argent. Je suis obligé de te demander de l'argent. Non, mais dis même plus emprunter, hein. Il sait très bien qu'il rembourse pas. Tu me dois 70 000 francs, Fred. 7 briques. Alors, je ne sais pas quand tu me les rendras. Hein. Tu me racontes toujours des histoires à dormir debout qui se terminent irrémédiablement par « je suis obligé de te demander ». Et tu voudrais que je fasse l'étonné? Que j'attende la chute? Alors que je la connais par cœur, la chute. Je ne te fais pas la morale, Fred. Je ne veux pas que tu changes de vie. Je veux que tu changes de banque. Je ne suis plus ta banque. Et donc ta sœur non plus. C'est pas de la morale. C'est un décret. Il se fait monter la tête par ma sœur. Bah bien sûr. Alors qu'il a un très bon fond. Bon, toi Georges, je t'ai déjà demandé. T'es raide. Mais t'as rien, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Hein. Ben, je suis au fond du trou. Ouais. Mais elle est vraie, cette histoire de trou? Bien sûr que oui, elle est vraie. Ben, regarde-moi bien, Fred. Hein. C'est la dernière fois. Merci. C'est tout ce que t'as de toute façon, là. Non, non, mais ça va, c'est déjà très gentil, ça va les calmer un moment. Jacques? Ouais? Je vous ai pas mêlé, mais j'ai l'impression que ça s'est embrûlé, non? Ah bon? Non. Ah si. Ah non, non, c'est l'odeur normale, ça. Quoi, tu sens quelque chose, toi? Moi, j'ai pas de nez, alors. Qu'est-ce que j'éteins, moi? Je sais pas, hein. Bon, je pourrais éteindre. Non, mais est-ce qu'il faut éteindre, là? Vous croyez, vous? Ben ça dépend, si c'est un plat qui se mange brûlé, il faut laisser encore un peu. Non, Fred... Ouais, moi, je sens rien. À quoi que si, là. Non, elle est où, Martine? Je sais pas, moi, si c'est prévu que ça sente ça. Elle est où? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, regarde! Non, mais quoi, regarde? Ben, regarde dans le four, tu verras bien, ouvre! C'est bien cuit. Et c'était quoi ça au départ? Non, frère, tu peux pas demander à Martine de venir, s'il te plaît. Oh non, 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 faut que j'y aille maintenant, ils m'attendent. Mais je fais l'aller-retour, hein. Je reviens tout de suite, m'attendez pour commencer. Non, non, n'attends plus personne, mon Dieu. Ça, tant pis pour les retardataires. Hein. À peine touché à la bûche. Ça se passe bien, on dirait.
aurais peut-être dû la laisser là-bas, seulement ça fond à une allure. Hein? Ah, ça prend bien. Quoi? Qu'est-ce qui prend bien? Non, rien, la soirée, là, je trouvais qu'elle... Non, qu'elle prenait bien. Ça fait combien de temps que t'avais pas mis cette robe? Elle ne me va pas. Mais si, mais justement. Je me demandais pourquoi tu la mettais pas plus souvent. Elle est magnifique. Tu as vu que personne n'a touché à la bûche? Vous vous êtes bourré de pistaches. Une bûche pareille que j'ai fait faire? C'était pourtant une bonne idée, une bûche glacée en juin. Bah écoute, Martine, c'est pas dramatique, ça se garde. C'est toujours pareil, ça, il y a trop d'entrées. On a les yeux plus gros que le ventre, alors évidemment, on achète. Après ceci, je vais faire cela, et puis ça se termine comme ça qu'on a plus faim. Non, il y avait beaucoup trop de petites entrées. Oh, puis vous vous êtes bourré de pistaches avant le dîner, hein, ça je vous ai prévenu 1000 fois. Je te l'ai dit, Martine. Je l'ai dit à Georges. Oh non, pas Georges, non, surtout, il me parle plus, ce Georges, je peux plus le supporter, il m'exaspère. Je trouve tous les défauts, toujours des réflexions, rien n'est jamais assez bien, personne n'est jamais assez honnête pour lui. J'en ai par-dessus la tête de ses airs de supériorité, moi. Et puis je commence vraiment à en avoir marre de cette cohabitation. De toute manière, faudra bien qu'il s'en aille un jour. Il vit pas définitivement chez nous. Rassure-moi, c'est bien dépannage? Bon, bah qu'il s'en aille. Bon, tu veux que je jette dehors? Il pourrait avoir le tact de partir de lui-même. Bon, au fait, Jacques, est-ce qu'on pourrait décider une bonne fois pour toutes que l'ouvre-boîte, c'est là? Hein, tu le remets jamais à sa place, c'est là. Non, d'accord, c'est là, Martine. Je te trouve bien remonté. Écoute, c'était provisoire. Provisoire, ça veut bien dire ce que ça veut dire, lui qui s'y achève sur les mots. Mais il sait très bien que c'est provisoire, il le sait. Il se trouve qu'en ce moment, il passe par une période difficile. Bon, bah oui, bah, il n'a pas cette situation non plus. Hein. Oh, ne sois pas mesquine, je t'en prie. Non, je te trouve bien remonté. Qu'est-ce qui t'arrive? Dis-nous, qu'est-ce qui t'arrive? Cette aigreur, cette inaptitude totale au bonheur. Il dit pas un mot de la soirée, et tout d'un coup, il lui saute dessus comme un malade mental. C'est toujours le même cirque, hein. Mais seulement cette fois, il a trouvé quelqu'un en face de lui. Enfin, heureusement qu'il avait affaire à un gentleman. Je sais pas si tu as remarqué de quelle façon il a pris les choses. Une classe, une tranquillité. C'est un autre monde, hein. Lui a réussi, ô combien réussi, puis il n'en fait pas une histoire, quoi. Georges est dans une situation délicate en ce moment. Oui, et bien on est tous dans une situation délicate. Tu es dans une situation délicate, toi? Non, mais tout le monde en général, quoi. La vie est une situation délicate. Mon frère t'a demandé de l'argent? Oui. Je lui ai pas prêté un sou, je te préviens. Hein. Moi non plus. On a de la tisane. Hein? Martine, il n'y a pas de tisane ici? De la tisane? Oui. Marilyn en veut une. Marilyn? De la tisane? Ben oui, quoi, Marilyn, de la tisane. Il n'y a rien d'extraordinaire. Hein? Non, il n'y a pas de tisane, on a un seau d'eau froide si elle veut. Une tisane? Non, mais quelle excitée celle-là! Elle a passé le repas à se trémousser. Mon frère a un goût pour les poufias, là, qui me laisse pantoise. Il a bientôt 40 ans, il les collectionne encore. Il change pas, lui, non, ça, il change pas, hein. Ah, mais qu'est-ce que je bois, moi, j'arrête pas. Je suis desséchée. Enfin, à part ça, la soirée a bien pris, j'ai l'impression. Bon, j'ai apporté ça là-bas, moi. Et je suppose que tu trouves cette Marilyn époustouflante, toi, hein. Ah bah, comme tout le monde, hein. Non, mais je serais hypocrite si je te disais le contraire. Non, c'est vrai, non, elle est très... Oh bah ça va, je t'en prie, j'ai compris. Excuse-moi, Martine, il faut que je passe. T'as quelque chose de fort, genre eau de vie, ou on commence à s'emmerder ferme, là. Si tu ne me fais pas la gueule suffisamment tôt, ça va être très très long. Ils en sont à l'immobilier, là. Pourquoi investir dans la pierre? Combien on gagne en 5 ans? Les réductions d'impôts? Ça peut me foutre, moi, j'ai pas d'appartement. J'ai à peine un lit, je peux même pas l'ouvrir. Non, Georges. Non, en haut, là. Je viens de croiser Martine, là, j'ai l'impression qu'elle m'apprécie de plus en plus. Hein. Elle me découvre. Bah, elle est très fâchée contre toi. Ouais. Et je la comprends. Et j'ai pu remarquer aussi qu'elle me faisait les gros yeux pendant le repas. Bah oui, mon vieux. En fait, je crois qu'elle s'est tout simplement froissée pour lui. Hein. Mais c'est normal. Non, il faut la comprendre. Ouais, c'est elle qui l'a invité, alors elle veut qu'il soit heureux. C'est moi qui l'ai invité. Ouais, bah elle veut quand même qu'il soit heureux. Hein?
C'est la maîtresse de maison. Je vois que tu as bien saisi la situation, c'est exactement ça, Jean. Bah, tu penses bien. À part ça, elle est à Caen. Elle a une journée très dure. Bon, écoute, s'occuper des enfants, hein. Plus l'organisation du repas, mais enfin, tout ce qu'une femme fait dans une maison. Bon, elle aurait le droit de passer une soirée détendue. Non, c'est vrai, oui. C'est vrai. Bon, je vais trinquer avec toi. Ah, elle est très nerveuse. Moi-même, j'ai du mal à la saisir ce soir. Elle en a après tout le monde, hein, alors toi, son frère, la femme de son frère. Entre parenthèses, quel morceau cette marinade, hein. Non, mais tu trouves pas qu'elle est extrêmement bien faite? Oh, non, non, elle est extrêmement bien faite. Elle a un énorme capital. Oui, d'ailleurs, on dirait qu'elle a bien compris, hein. Elle investit absolument tout là-dessus. Ouais, mais à sa place, j'investirais aussi, hein. Oh, quel cul! Ah, beau cul, beau cul. Ça dure quoi, un beau cul? Quelque temps. Elle va se sentir obligée de le refaire, ça va lui coûter de l'argent. Et puis, au bout du compte, il lui restera une bonne quarantaine d'années pour réfléchir à tout ça. Investissement d'imbécile, oui. Non, ça m'aurait étonné. Ramenez-vous les gars, il est en train de les partouser là, toutes les trois. Comment ça, partouser? Eh ben, il... Non, 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 c'est des conneries. Bon, enfin, il est très en verve, comme on dit, hein. C'est de la haute voltige. D'ailleurs, c'est bien simple, les femmes sont complètement sous le charme. Hein. Mais les hommes aussi. À part Charlotte, qui a l'air d'avoir l'habitude. Le quotidien s'amuse énormément, j'ai l'impression. Parce que elle, c'est plutôt des hochements de tête du style « Ah oui, mais je la connais aussi, celle-là. » Mais très compréhensive, hein. Très sympa. Hein. Moi, j'accroche aussi pas mal avec elle. Et c'est quand même une fille qui a des responsabilités dans un canard qui se vend à des milliers d'exemplaires. Hein. Bah, incroyable ce que tu nous racontes, là. C'est... Et donc, les femmes, hein, sous le charme. Voilà, surtout la tienne et la mienne. Oh, dis donc, si je peux me permettre, ta femme, quelle... Quel morceau, hein. Mais elle a l'air gentille, hein. Elle fait quoi? C'est une pute. Ah, très bien, très bien. C'est exactement ce que je pensais, tu vois. Quoi? Professionnel? Bah non, normal. Bénévole. Non, je l'ai trouvé en boîte. Ah, ça a tout de suite été un coup de foudre. Hein. D'ailleurs, on se quitte plus, là, depuis 4 jours. Sauf quand je joue, hein, bien entendu. Et comme malheureusement, j'ai beaucoup joué... Ouais, donc rien de définitif encore. Non, 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 non. Ça démarre doucement. On s'observe. Et c'est quoi, ça? C'est de l'eau de vie, c'est pour Georges. Enfin, je l'accompagne. Eh ben, je vais t'accompagner, moi, pendant que tu l'accompagnes. Non, je voulais juste téléphoner. Non, mais c'est pas grave. Oh, dis donc, j'ai trouvé la bouffe trop salée, personnellement. Ouais. La cuisinière est amoureuse, comme on dit. T'es pas gay, toi, hein. Oh, bah, tu le connais, hein, Georges, c'est le contraire d'un gay. Ouais, ouais, bien sûr, mais enfin, dis donc, ce soir, je le trouve carrément éteint, quoi, si tu veux. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Un numéro de claquette? C'est quand même pas obligatoire. Vous êtes gay, vous êtes content, bon, bah, c'est très bien, faites ce que vous voulez, mais laissez-moi tranquille. J'ai pas gagné au loto, j'ai rien à vendre à personne. Bon, j'ai aucune raison d'être particulièrement gay. Hein, je suis un être humain, je suis pas un animateur. Y a qu'à la télévision qu'on voit des gens éclater de rire à longueur de temps, là, comme des crétins. Mais est-ce que quelqu'un te demande d'éclater de rire comme un crétin? On te demande simplement de ne pas glacer l'atmosphère. C'est quand même moins contraignant. C'est vrai que t'as jeté un gros froid pendant le repas. Hein. Oh. J'ai pas réussi à comprendre pourquoi, d'ailleurs. Et j'ai le regret de te dire que j'ai trouvé sa réaction mais impériale. Hein. Ah oui? Ah oui. Oui, oui, beaucoup de sang-froid, beaucoup d'humour. Hein. C'est vrai, il connaissait bien le sujet, il aurait largement pu l'enfoncer. Bien sûr, bien sûr. Et il ne l'a pas fait. Ah, mais lui, c'est particulier, tu comprends? Non, lui, il observe de vieilles coutumes ringardes qui consistent à ne pas foutre la merde dans une soirée. Il aurait pu t'enfoncer. En plus, 75% des gens sont d'accord avec lui. Et alors, quel rapport? Eh ben, c'est la majorité. Non, c'est la majorité, mon vieux, c'est tout, et puis voilà, hein, c'est la majorité. Voilà. Laquelle d'abord? Laquelle? Celle qui pensait que la Terre était plate? Celle qui veut rétablir la peine de mort? Celle qui se fout une plume dans le cul parce que c'est la mode? Laquelle exactement? Mais qu'est-ce qui te déplaît chez ce type qui est archi rigolo, plein de blé, célèbre et qui n'en fait pas une montagne? J'ai l'impression que tu l'aimes bien, toi, hein? Mais alors, je vois pas de honte là-dedans? Oui, je ne vois pas de honte, en plus, c'est une question de goût, disons. Mais qu'est-ce qui te déplaît? Tout, tout! Ben, quand même, oui. Ouais, j'ai rien à lui dire, on n'est pas du même monde. C'est un visage pâle. Mais vous étiez très amis tous les trois à l'époque? Pff, pas du tout. Évidemment, évidemment qu'on était très amis. On était quasiment cul et chemise à 10 ans. C'est assez difficile de se faire une idée entre vous deux. Il embellit pour la circonstance.
Moi, j'ai pas le souvenir d'une si remarquable amitié. Quand on a arrêté de se voir, que je sache, personne n'a pleuré. Tout le monde a trouvé ça naturel. Alors laisse-moi te rappeler, puisque tu as des difficultés de mémoire, qu'on ne s'est plus vu par solidarité avec toi. Tu t'en souviendras certainement, si tu fais un effort. Mais tu étais mal à l'aise. Jaloux, oui, jaloux. Parce que Charlotte s'était mise avec lui et pas avec toi. Et ça t'avait blessé. Et par solidarité, on s'est perdu de vue. Parce que tu ne voulais plus la voir. Enfin, je regrette pas. La question n'est pas là. C'est la vérité. Ah, c'est une histoire bête comme ça, alors. Mais oui, mais quand on est jeune, on a l'esprit de clan et on prend fait et cause. Avec du recul. Non, c'est finalement beaucoup de romantisme et beaucoup d'orgueil. Pour pas grand-chose. Drôle de couple, d'ailleurs. Parce qu'on s'attendrait à le voir avec Miss Monde. Et puis pas du tout une fille intelligente, hein? Maintenant que tu as suffisamment de recul, vous allez pouvoir vous revoir régulièrement. Cette belle histoire va repartir sur des bases saines, certainement. Pourquoi pas? Oui, je crois que c'est possible maintenant. Voilà quelques jolies soirées en perspective. Mais tu ne seras pas obligé d'y venir. Je m'abstiendrai, effectivement. Hélas, tant que je couche dans ton salon, je peux difficilement faire autrement. C'est provisoire. Tu vas bien finir par trouver un appartement. Ouais. Ouais. Réflexion faite, il faut que je me mette sérieusement à chercher. Je vois que l'ambiance est bonne ici aussi, hein. Mais je vais passer au salon pour alterner un peu. Là. Je te comprends pas, Georges. Jacques, il m'a proposé deux fois de suite de faire un petit poker. Il n'y a aucune raison pour lui faire plaisir, hein. On va en faire un petit. T'as entendu, c'est lui qui a proposé. Amicalement, Fred, un petit poker. Avec des allumettes. Non, mais nous sommes bien d'accord. Un jeu de société. Pas une embuscade. Ouais. Ça va de soi, on n'est pas des sauvages. Ah. C'est tête, hein. Qui, moi? Non, 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 moi. Bon. J'ai pas pu t'appeler avant, je suis pas chez moi, je suis dans une soirée. J'ai des anciens amis. Derrière ton va, mais voilà, c'est ça. Bon, c'est très salé, elle a mis une tonne de sel dans sa bouche, tout le monde cherche une carafe d'eau. Ben, appelle au café, ça s'éternise. Je sais pas. Je sais pas, au moins dans une heure. Non, on n'attend pas avant, c'est pas la peine. Hein? Arrête. Arrête! Non. Non. Ah, j'ai rien. Non. Écoute, je vais être obligée de raccrocher. Oui. Bon, voilà. Mmh. Ah, c'est d'ailleurs. Tu m'as fait peur. T'étais là? T'étais où? Là. Sur le balcon. Je respirais un peu l'air frais. Tout le monde cherche une carafe d'eau là-bas. On est déshydraté. Enfin, c'était bon, mais c'était très salé. Oui, on sent qu'il vient de la mer, hein, ce poisson. T'as entendu mon coup de fil? Ton coup de fil, c'est-à-dire? Tu sais, j'ai téléphoné, là, à l'instant. C'est un coup de fil, ça. Tu m'as entendu? Très bien. Très bien entendu. Je pouvais pas faire autrement, je suis désolé. Évidemment, tu peux compter sur moi, je serai très discret, comme on dit dans ces cas-là. Justement. Justement, tu peux en faire ce que tu veux. Il n'y a rien de secret. Non. Oui, je préférais que ce soit clair. D'accord. Je ne me cache de personne. Ah. D'accord. Je voulais pas qu'il y ait un malentendu. Bah oui. Donc, ton mari est au courant? Voilà. Une sorte de couple libre, quoi. Voilà. Si tu veux. Mais vous habitez ensemble, hein, c'est plus pratique. Exactement. Si tu veux savoir autre chose? Oui. Est-ce que tu connaîtrais, toi, qui a des relations de pièces confortables, très silencieux, avec un loyer dérisoire? Ouais. Ah, parce qu'ici, on arrive à une sorte de saturation. Ouais. Très embêté. Mais tu vis comment? Enfin, si c'est pas indiscret. Je travaille à mi-temps dans une agence de voyage. C'est intéressant? C'est une mine.
Oui, enfin, vous avez d'énormes réductions sur les vols, c'est toujours ça. Bah oui, mais j'ai peur en avion. C'est dommage. J'ai pas de chance. Ouais. Tu aimes les jeux de cartes? Ça dépend. Pourquoi? Je crois qu'ils vont commencer un poker. Tu sais, ton mari en a proposé un tout à l'heure, alors... Ah oui. Mais oui, il adore ça, il joue dès qu'il a une minute. Avec Fred, on peut dire qu'il est bien tombé. Alors, qu'est-ce que tu penses de ton amie Martine, après tout ce temps? Mon amie Martine? Bah, elle s'est affirmée, on dirait. Oh là là. Je l'ai connue plus timide, plus empruntée. Ouais, elle s'est épanouie dans le mariage, tu sais, son foyer, ses enfants. Épanouissement classique. C'est toujours mieux que pas d'épanouissement du tout. Ouais, c'est ce qu'elle a dû penser, ouais. Et toi, des enfants, tu... t'en veux pas? Si. Mais j'ai le temps. Ouais. Je suis à un stade de mon travail où je ne peux pas me permettre d'arrêter. Ah. Ton fameux journal? Pourquoi fameux? Ah, mais Fred nous faisait un tas de compliments, là, sur toi, sur ton journal, entre autres. Mais c'est pas mon journal. C'est celui de mon mari. Ah bon? Oui. Ah, d'accord. Ah, c'est son journal? Oui. Ah, mais je comprends beaucoup mieux. Justement, je voyais pas du tout ce qu'il pouvait te retenir. Et alors? Qu'est-ce qui me retient? Bah, vous avez tout simplement des intérêts en commun. Mais oui, comme souvent dans un couple. Tu peux te dispenser de ce genre de sous-entendu. J'ai déjà dit que la situation était très claire entre lui et moi. Quant à mon travail, je le fais bien, et mon employeur est satisfait. C'est simple, non? C'est un choix. C'est un choix comme un autre, chacun ses goûts. Personnellement, je trouve qu'il manque une petite pointe d'amour dans tout ça. Ah oui? Une petite pointe d'amour? Tu crois? Attends, tu peux m'expliquer mieux? Plus en détail? Non, mais ça m'intéresse d'avoir la vie de quelqu'un de parfait. C'est vrai. Tu te trompes jamais, toi. C'est pas fatigant d'être toujours mieux que les autres? Quand je t'ai connu, c'était exactement la même chose. T'étais tout seul. Sur ton petit rocher. Avec la vérité suprême sous le bras. Toujours en train de juger quelqu'un. Et 10 ans plus tard, je te retrouve à la même place. T'as pas bougé d'un centimètre. Et le monde est toujours aussi lâche et corrompu, si j'ai bien compris. Tu trouves pas qu'on a déjà entendu cette air-là? C'est le seul que je connaisse. Il y a 10 ans, si tu m'avais dit oui, tu serais peut-être avec moi sur mon petit rocher. Je me suis permis de prendre un peu de jus de pomme. Oui, bien sûr, vas-y, c'était moins agréable, quelqu'un de poli, vas-y. Non, mais j'ai déjà pris du jus de pomme. Ah, tu as bien fait. Excuse-moi, je suis excédée. Oui, tu as l'air. C'est à cause de la petite amie de mon frère, je suis estomaquée par le sang gêne de cette fille. Ça va me passer, hein, excuse-moi. Vous allez jouer au poker, c'est ça? Ils vont jouer au poker, moi ça ne m'intéresse pas. Ils m'ont pas demandé mon avis, mais en l'occurrence, je déteste le poker. D'ailleurs, je ne supporte pas le mensonge d'une manière générale. Bon, je vais t'aider à ranger. Non, laisse, la femme de ménage vient demain, ça me fait l'occasion de travailler. Ne bouge pas! Oh là, la petite s'est fâchée, faudrait un torchon avec de l'eau chaude. Non, il n'y a pas un torchon propre dans cette maison là. Où là? Là-bas! Charlotte. Elle peut pas venir le chercher elle-même son torchon, non? Et voilà! Tu as observé le numéro permanent de cette fille. Non, bah ça, elle n'hésite pas une seconde, hein. Une travailleuse acharnée. Une vraie poufiasse. Mais écoute, Charlotte, on n'a pas l'idée de s'habiller comme ça. Même toi, à l'époque, elle était quand même plutôt affranchie d'une... Attends, j'étais affranchie, moi? Mais comment affranchie? Non, enfin, tu n'avais pas froid aux yeux. Enfin, il fallait pas t'en compromettre, quoi. Non, mais tu faisais comme toutes les filles de 18 ans, mais jamais à ce point, hein. Ah, c'est du jus, parrain, le bonbon, là, mais... C'est bien simple, à chaque fois qu'elle se baisse, il y a un blanc dans la conversation. C'est pas normal. Elle se coiffe, elle se décoiffe astucieusement là, toutes les 5 secondes. Elle parle avec une voix d'enfant. Elle rit comme une hystérique à chaque fois qu'elle comprend quelque chose. C'est écœurant ce cinéma. En plus, je me fiche éperdument de ces 6 maris ou de la façon dont elle s'habille. Mais si c'était pas tout cela, hypnotisé, fasciné. On dirait des lapins dans les phares d'une voiture. Franchement, avec ton mari, elle est quasiment obscène. Je l'aurais giflé, moi, à ta place. Hein. Si tu savais ce que je peux en voir, des Marilyn. Mais j'en vois entre 3 et 15 par soirée, c'est une vraie routine. Il avait fallu que je les gifle toutes. Non mais tu comprends, il est assez connu.
Alors elles arrivent comme des mouches. Elles font leur petite danse rituelle. Elles m'écrasent un peu les pieds au passage. Non, et puis surtout, pour te dire la vérité, il n'est pas tellement farouche. Comment? Attends, comment attends, mais qu'est-ce que tu me dis là? Tu veux dire qu'il il n'est pas farouche? Non, non, mais je disais ça comme ça. Ça n'a aucune importance. Ah bon? Si tu m'as fait peur. Non, non, non. T'inquiète pas. Enfin, le résultat, c'est que je vais finir par plus l'inviter, mon frère, et puis c'est tout. Je me retrouve à chaque fois avec des cas sociaux, il emmène n'importe qui ici. Enfin, j'ai rien contre les cas sociaux, bien au contraire. Enfin, la question n'est pas là, mais tu sais, il se lie très vite avec les gens, il se passionne. Ça, c'est typiquement poisson. Hein. Ah, ils aiment tout le monde, les poissons. Vous ressemblez pas du tout, je trouve, Fred et toi. Oh, non, non, pas du tout alors, non. Je l'aime beaucoup, hein, je l'aime énormément, c'est mon frère. Mais on est diamétralement opposés. Moi, je le connais pas, bien sûr, mais je le trouve attachant. Oh, il est difficile. Écoute, j'ai deux enfants. Un de 3, la grande de 6. Tu vois ce que c'est, deux enfants? Oui, je vois très bien. Eh ben, je me fais presque plus de soucis pour Fred que pour eux deux réunis. Ah oui, ça doit être difficile. Il faut le surveiller comme du lait sur le feu. Et je te dis pas tout, hein. Tu veux un verre d'eau? Tu veux un peu de bûche? Ah oui, tiens, je veux bien un verre d'eau, s'il te plaît. Pas de bûche? Non, merci. Et Georges, il habite chez vous depuis longtemps? 2 mois, presque 2 mois. Tu sais ce que c'est au départ? C'est pour 8 jours et puis... Il était avec une femme très bien depuis 6 ans. Beaucoup de tête, exactement ce qu'il lui fallait. Quelqu'un qui lui remette les pieds sur terre. Tout allait très bien, enfin à ma connaissance. Hein. Et tout d'un coup, du jour au lendemain, il a quitté. Mais vraiment, du jour au lendemain, monsieur a eu une illumination. Il a rempli une valise, il est parti, il lui a tout laissé. Va comprendre quelque chose, toi. Nous, on n'a toujours pas compris, en tout cas. Oh, mais c'est bizarre. Il vous a rien expliqué? Rien, il est arrivé ici, nous a mis au pied du mur, pour ainsi dire. Et Jacques, qui sait pas dire non. Elle dit oui, et tu connais la suite. On n'allait pas lui refuser un toit. Vous êtes ses amis, il est venu chez vous. Oui, oui. Bien sûr, il a bien fait. Charlotte, est-ce que je peux te poser une question? Oui. Il faut que tu me répondes très sincèrement. Oui, bah vas-y. Tu me promets? Oui, je te promets, sincèrement. Est-ce que c'était vraiment trop salé? Je cherche les allumettes. Je m'en fous. Oui, c'est encore moi. Non, 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 écoute, j'ai réfléchi. Non, je peux décemment pas partir avant un bon moment. Finalement, c'est ridicule que tu m'attendes. Bah parce que c'est pas pratique, ça m'arrange pas. Bah oui, fais une croix, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, oui, j'ai changé d'avis parce que je suis fatiguée. Je m'en étais pas rendu compte. Non. Non, 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 écoute, non, mais de toute façon, là, je suis pas chez moi. Je suis en train de parler devant tout le monde, c'est très, très gênant. Oui. Oui, on verra. Oui, bonne nuit. Je les vois, tes signes. Martine, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ne me parle pas comme ça devant les gens. Oh, dis-moi. Non, mais dis-moi. Dis-moi ce qu'il fallait faire. Le prendre tout d'un coup, le lever de sa chaise et l'empêcher de continuer? Mais bah, fais-le, toi, c'est ton frère, merde, à la fin, c'est pas le mien. Je ne veux pas que tu me parles de cette façon. Je te demande simplement de me respecter, surtout devant les gens.
pour. Je suis désolé, je me suis emporté. Je te demande de m'excuser pour ça, Martine. Je t'ai mal parlé, ça arrive. Ça ne devrait pas arriver. Mais tu me pousses. Tu m'as poussé à te répondre comme ça. Bon, là, Martine, on n'est pas devant les gens et je te demande posément qu'est-ce que je peux faire. Je l'ai pris à part. Il s'est levé deux fois de cette table, je lui ai parlé deux fois. Avant que la partie ne s'envenime, et pendant, là, il y a une demi-heure, il me dit de ne pas m'en faire. Ah bah tu le connais ton frère, il s'en fait pas, il veut pas qu'on s'en fasse. À chaque fois que je lui fais signe d'arrêter, il me regarde comme si je venais lui raconter une histoire drôle, ça le fait rire. Ton inquiétude, mon inquiétude, ça le rend hilar. Tu vois bien, il est rayonnant. Ils sont devenus fous tous les deux. Mais t'as bien vu. Sitôt qu'ils ont parlé de jouer de l'argent, je leur ai dit lourdement mon opinion. Et je me suis retiré. Je le sentais. Et je ne voulais pas que ça dégénère. Et je vais même te dire mieux, je l'avais prévenu avant. Je l'avais prévenu. Avec des allumettes, Fred. Un petit poker. Ouais, tu parles. Un beau 100 francs, l'allumette, alors qu'il est. C'est comme si... ils s'étaient envoûtés mutuellement. Sans parler de cette Marilyn qui décolle pas de la table depuis 2 heures et qui jette régulièrement de l'huile sur le feu, là, évidemment, c'est tellement excitant, un combat de coq, c'est lamentable. Je suis déçue. Je suis très, très, très déçue. Moi, je vais te faire pipi. Mais vas-y, quoi, tu sais faire pipi tout seul, alors vas-y. Non, dis-nous, écoute. Non, mais... n'exagérons rien, on va trouver une solution. Ils vont bien finir par s'arrêter, les 3 heures du matin. Non, allez, allez, non, ça vaut pas le coup de pleurer. Si, ça vaut le coup. C'est l'attention, on va faire du bien. J'en ai marre. Mais qu'est-ce que j'en ai marre? Mais de quoi? De tout. Non, allez. De quoi? Ça va me passer. Je suis trop sur les nerfs en ce moment, c'est tout. Bah, qu'est-ce que tu fais là, mon petit chouchou? Faire pipi. T'as envie de faire pipi? Mais t'es tout perdu là. On va y aller. Bon, parlons peu, mais parlons bien. Je vous remercie tous les deux pour le service que vous m'avez rendu. J'étais embêté, vous m'avez hébergé, c'est très gentil. Voilà. On n'est plus des enfants, hein, ce genre de situation ne peut pas durer éternellement. Et je sens que j'ai déjà beaucoup pesé sur le ménage. Je pars donc. Ouais. Est-ce que je peux me servir du téléphone pendant un moment? Il faudrait que j'appelle quelques hôtels. Tout de suite, là? Oui, plutôt serait le mieux. Je commence à avoir sommeil. Mais tu peux pas dormir ici? Non, il y a deux types qui jouent au poker sur mon lit. De toute façon, je comptais partir demain, alors autant partir tout de suite. À cette heure-là, maintenant. Oui, la partie n'est pas finie et j'ai sommeil. Qu'est-ce que tu veux? Vas-y, sers-toi du téléphone, je t'en prie. Merci. Posez mon sac dans un coin où ça ne dérange personne. L'annuaire. J'ai oublié l'annuaire. Bon, Georges, ils en sont où, là? C'est toujours Fred qui gagne. Il est encore plus gros. Quant à l'autre, tu sais ce que c'est, il est atteint dans sa fierté, alors il s'accroche, là, c'est... très réjouissant. Hein. Imbécile! Non, je t'en prie, Martine! Il est content, lui, là, tu vas pas! Non, je suis pas content, Martine, je suis ravi. Surexcité comme une gamine, et maintenant tu parais vexé, comme blessé par quelque chose. Tu me dis que tu en as marre de tout, non mais qu'est-ce qui se passe, hein? On croirait que quelqu'un t'a fait du mal. Mais non, c'est moi, c'est ma vie. Ta vie? C'est-à-dire? J'en ai marre de ma vie, il se passe rien, c'est tout. On sort jamais, on fait rien. Je ne travaille pas, je stagne. Ah, évidemment, je suis une bonne mère de famille, hein. Ça me fait une belle jambe, moi tout le monde s'en fout des mères de famille. Je voulais avancer, moi. J'aurais voulu créer des choses, être utile. Je sais pas, moi. Participer à une action humanitaire, sauver des gens.
Regarde, Charlotte, elle travaille, hein, elle rencontre des gens, elle est en contact avec le monde. C'est capital, ça. Elle est au milieu du monde. Si tu veux. C'est facile à dire, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est trop tard maintenant. Je comprends pas très bien. N'en parlons plus, Val. Les choses ne sont jamais comme on voudrait qu'elles soient. C'est connu, ça. C'est passager. Et ça t'a pris comme ça? Tout d'un coup, ce soir, tu t'aperçois que tu voulais être au milieu du monde et que tu n'y es pas? Moi, je crois simplement que tu passes par un moment de dépression, non? Mais tout le monde passe par là, Martine, tu sais. Mais d'une heure à l'autre, on est dégoûté de tout. On ne sait plus pourquoi on est là. Ça arrive, ça. C'est imprévisible. Ça vous tombe dessus, comme ça. Oui, on ne sait plus pourquoi on est là. Mais oui. Moi, je crois que c'est passager, effectivement. Hein? Allez. Tu n'as rien d'autre à me dire? Non. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? C'est toi qui sais. Ben, rien, il n'y a rien d'autre. Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait? Je le dirai, ça. C'est les stockers. Je lui prononce mon bal en un seul coup, là, avec deux rois. Quoi? Je suis en train de me massacrer. Quoi? Je te prouve. Tu vas arrêter de commettre. Excusez-moi pour cette petite interruption. Oui, bonjour. Pardon, bonsoir. Oui, je voudrais un taxi pour le 13 rue... Le numéro de téléphone, oui. Oui, c'est le... Attendez. Attendez, allô? Salope! Pardon, je m'en vais, j'ai encore rien entendu, Ah mais non, reste, tu me déranges pas, j'appelle un taxi. Tu vas te forcer une musique infecte et pour finir, il te raccroche au nez. C'est très agréable cette façon de communiquer. C'est quoi le numéro de téléphone ici, s'il te plaît? Le 41-29-04-93. 41-29-04-93, merci. Tu veux téléphoner? Non, vas-y, j'ai le temps, moi. Il faut que je le cherche d'abord. Merci. J'en ai pas pour longtemps. Oui, bonsoir, je voudrais un taxi. 41-29-04-93. 93, oui. Tu cherches quoi, si c'est pas indiscret? Un hôtel. Oui. Merde. Pas de voiture pour le moment. T'as une voiture, toi? Ouais. Alors, tu cherches un hôtel? Voilà, un petit hôtel. J'ai envie de me coucher. Ah bon? Quoi, tu pars d'ici cette nuit? Ouais. Ouais, ça m'a pris, d'un coup. Bon. Je vais essayer celui-là. Hôtel Europa. Europa. Oui, c'est l'hôtel Europa? Oui, c'est bien l'hôtel Europa? Excusez-moi, hein, monsieur, je vous réveille. Hein. Non, bon, bien. Est-ce qu'il vous reste des chambres, s'il vous plaît? Non, pour ce soir, enfin, pour maintenant. Bah oui. Oui, je veux bien, merci. Quelques jours. Non, je sais pas, enfin, 8, 15. Non, douche. Oui. Bon. Bien, et le prix? Ah, très bien. Et le prix? Je vais réfléchir. Eh oui, voilà, exactement. Bonsoir. Ouais. Moi, j'ai visé un peu haut. J'avais complètement perdu de vue les tarifs d'hôtel à Paris, ça n'a plus rien à voir. Viens, vas-y, hein, si tu veux. Non, ça va, je vais attendre encore un peu. Enfin, ne te gêne surtout pas pour moi, c'est moi qui t'ai dérangé. Je me gêne pas du tout, et puis tu m'as pas dérangé, c'est ridicule. Enfin, je disais ça pour être aimable.
Bah, ça doit être le manque d'habitude. J'étais surprise, justement. On a du mal à se parler, tous les deux. Ouais. Ça. On a toujours eu du mal. Il y a 10 ans, c'était pire. Faut dire que j'étais pas très attentive à l'époque. Enfin, j'étais attentive à moi-même. C'est moi. C'est moi, ça a toujours été moi, je m'y prends quand même. J'ai jamais su te parler, c'est vrai que j'ai pas fait de progrès du tout. C'est moi. T'es resté assez longtemps avec quelqu'un, d'après ce que m'a dit Martine? Ouais. T'es parti pourquoi? Il manquait une petite pointe d'amour. J'ai essayé un autre numéro. Et ce pauvre garçon à qui tu téléphonais tout à l'heure, il en est où, au fait? Bah, il doit... Oui, bonsoir. C'est fatigant pour les nerfs. Tu peux pas dire un mot en entier. Ah, il en est où? Il doit commencer à douter sérieusement. Et ça se trouve, il lutte contre le sommeil alors qu'il est ce... Non, je pense qu'il a dû se coucher. Je l'ai libéré. Ah. C'est très honnête de ta part. Tu es comme ça? Oui. 41 29 04 93. C'est ça. Non, je ne quitte pas. Tu rentres chez toi? Ouais, je m'endormais au salon. Faut jamais savoir combien de temps ça dure, c'est ces parties de poker. Puis je suis gênée pour Jacques et Martine. Ils veulent certainement se coucher, ça doit les amuser modérément, tout ça. Non, ils sont tellement contents. Ils feraient n'importe quoi pour vous faire plaisir. Pour lui faire plaisir, tu veux dire? Pour lui faire plaisir. Je suis que la femme du calife. C'est accessoire. Je me plains pas, hein. Non. Je sais que les gens peuvent m'ignorer consciencieusement pendant toute une soirée. Je suis très habituée maintenant. Enfin, là, j'étais censée retrouver des amis. Je m'attendais à mieux. Par exemple, Jacques a dû me dire 2 mots en tout ce soir. Jacques. Enfin, de toute façon, c'est une tendance que j'ai. Je m'attends toujours à mieux. Oui? Merci. Tu l'as eu? Non. Pas de voiture pour le moment. Ah, très bien. Je vais attendre encore un peu. J'ai froid, je suis gelée. Il fait chaud pourtant. Ah oui, moi j'ai froid. C'est bien, j'ai toujours froid. Tu te souviens pas? Tu veux mon blouson? Ah oui, je veux bien. Merci. Bon. Ben voilà, je crois que j'ai une petite liste d'hôtels assez minable. Ça devrait mieux correspondre. Alors allons-y franchement. Hôtel des voyageurs. Voyageurs. Ah, je suis fatigué, moi. T'es pas fatigué, toi? Moi? Je frise le coma. Oui, c'est l'hôtel des voyageurs. Excusez-moi, hein, monsieur, je vous réveille, là, certainement. Non, pas du... Bien. Bon, ben c'est le principe. Bien. Est-ce que par hasard... Ah, mais... Ouais, c'est très, très bien, monsieur. C'est très professionnel. Moi j'apprécie... Ah, oui, mais alors là, vous tombez bien parce que je suis... Ah, mais je n'en doute pas une seconde. Enfin, peu importe. Moi, ça ne m'aurait pas dérangé du tout que vous dormiez, monsieur. Je m'en... Oui, mais non, mais moi ça me... Eh ben, bravo. Bravo, monsieur, bravo. Non, hein. Bah oui, je comprends bien. Bah, vous êtes gardien de nuit, quoi. Si tout le monde faisait son travail correctement, j'ai bien compris, monsieur, maintenant. Est-ce qu'il vous reste des chambres? Une chambre? Bah oui, c'est un peu pour ça, hein, que j'ai... Ben voilà, je me suis dit, tiens, un hôtel, pourquoi pas, finalement. Ouais. Et alors, et donc, oui, non, mais... Et une seule. Ah, plus une seule. Bien, bien. Ouais. Oui, eh ben... Ben évidemment, je vais essayer ailleurs. Qu'est-ce que vous voulez que je... Ouais, ben vous l'auriez dit un... Allez. C'est pas tout... Ben oui, c'est pas tout... Allez, monsieur, allez, bonne nuit. Oui, allez, bonne nuit.
te demande pardon, Charlotte. Je suis très emmerdé. Martine aussi, d'ailleurs. On ne s'attendait pas du tout à ça. Le contrôle de cette soirée nous a complètement échappé. Fred ne se rend compte de rien. On a toujours eu beaucoup de problèmes avec lui. Il n'a aucun discernement. Il se comporte comme un irresponsable. C'est pas grave. Je suis très emmerdé pour ton mari. Il perd beaucoup. T'en fais pas. C'est pas très important, hein. C'est pas la première fois qu'il joue. Il aime beaucoup, ça. Je sais pas quoi te dire, moi. Je suis plus qu'ennuyé. J'ai honte, oui. Voilà, j'ai très honte pour Fred. On ne sait plus où se mettre depuis tout à l'heure. Mais non. Elle te dit que c'est pas grave. Non, mais tu permets. Je parle à Charlotte. Bah, c'est pas grave, Jacques. Et moi, je suis désolé. Je trouve au contraire que c'est très grave. Tu essaies de me rassurer. C'est délicat de ta part. Mais je sais que c'est très grave. Non, c'est moi qui ai invité ton mari. Qui vous a d'ailleurs invité tous les deux. C'était pas pour vous faire tomber dans un guet-apens. Je te dis, tu peux me croire que mon mari est passionné par le jeu. Il joue très souvent. Alors, quelquefois, il gagne et quelquefois, il perd. Sincèrement, tu n'as pas à t'en faire pour ça. Et puis, de toute façon, tu y es pour rien, tu pouvais pas prévoir. Mais j'aurais dû. Connaissant Fred, j'aurais dû. Il n'a aucun scrupule. Non, non, si j'avais réfléchi un petit peu, je ne l'aurais pas invité. C'est minable. Écoute, il est chez moi, il sait que je déteste ses combines et il plonge sur la moindre occasion. Mais il passe sa vie à essayer d'arnaquer les gens. Et alors, qu'est-ce que ça peut te faire si les gens sont d'accord? Mais je ne te demande pas ton avis, toi. Je sais parfaitement ce que tu penses de tout ça. Tu trouves ça très bien, hein, évidemment. Ailleurs, je m'en fous. Il fait ce qu'il veut. Mais pas chez moi. De quoi j'ai l'air, hein? J'ai l'air de quoi? Ben, je peux te le dire, si tu veux, j'ai un mot qui me vient à l'esprit. Ah ouais? Ouais, ben vas-y, dis-le. Un candidat. Quoi, un candidat? Oui, un candidat à quelque chose, tu comprends pas? Non, je ne comprends pas, je ne suis pas d'humeur à être subtil. Là, je t'assure, Georges, en ce moment, je ne peux saisir que des choses claires. Je vous dérange peut-être un peu si vous voulez parler. Non, mais pas du tout, Charlotte, tu es chez toi. Je t'ai bien regardé pendant toute cette soirée et je me suis franchement demandé si tu cherchais du travail. Tu cherches du travail? Non, je ne cherche pas de travail, j'en ai un, soit encore plus direct, je ne comprends toujours pas. Charlotte vient de te dire trois fois que ça n'avait pas d'importance, tu n'as pas compris ça non plus? Elle le connaît, c'est son mari. Pourquoi tant de précautions avec lui? Tu marches sur des œufs, tu le ménages. Qu'est-ce que tu as peur de perdre? Son estime, hein, qui te serait devenue indispensable en l'espace d'une soirée, et tu serais prêt à quoi exactement pour la garder? Ne me regarde pas que ça t'est indigné là! Tu me rappelles ces gens qui attendent des heures sous la pluie, un type dont ils veulent à tout prix la signature, sans même savoir si c'est un prix Nobel ou un présentateur météo? Ouais, mais t'es toujours mieux que tout le monde, hein, toi. Tu l'as rencontré par hasard, tu ne sais pas qui est ce type, ça fait 10 ans que tu l'avais pas vu, et tu te bats pour lui là contre tout le monde, comme si c'était le plus proche de tes amis. Et quand bien même, c'est si grave que ce monsieur perde de l'argent au poker, il en manque. Il est journaliste, écrivain, animateur de télé, il a des revenus. La question n'est pas là, Georges. Et je te répète que je suis chez moi. Et que personne ne se fera arnaquer chez moi. Mais qui a parlé d'arnaque? Tu es le seul à en parler. Qui sous-entend devant Charlotte que son mari est en train de se faire voler ou je ne sais quoi? Je ne veux pas te laisser dire ça. Je les ai regardés jouer pendant plus de 2 heures. Fred ne triche pas. Crois-moi, Charlotte, il ne triche pas. Il joue la régulière, il n'a forcé personne. Il n'y a pas de victime, Jacques. Il y a Fred qui a besoin d'argent et qui en gagne. Je ne vois rien d'immoral là-dedans, moi. Et si tu n'étais pas aveuglé, je devrais dire ébloui, tu t'en apercevrais aussi. C'est ta façon de voir les choses, Georges. Et ne me dis pas comment je suis et comment je devrais être. Moi, je me trouve simplement civilisé. Ouais. J'ai le sens de l'hospitalité. Le sens de l'hospitalité, Georges, ça fait 2 mois que tu en profites, tu devrais savoir de quoi je parle. C'est fini? Hein? C'est fini? Oui. Belle partie. Oh, très jolie partie, même. Moi, j'ai touché tout ce que j'ai voulu. Malheureusement pour lui, hein, qui a très bien joué, d'ailleurs. Mais ce soir, les cartes étaient pour moi. Hein. Tu gagnes combien, Fred? 80 000. Quoi? 80 000. Non, mais tu crois malin? Jacques, je t'en prie, tu peux pas laisser faire ça. Moi, je m'en occupe, Martine, je suis en train de m'en occuper. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je sais pas, je vais peut-être acheter une bagnole. Tu vas te comporter correctement, j'espère, tu ne vas pas les prendre. Mais il les a pris, il les a déjà pris, il vient lui donner un chèque. Quoi, il t'a donné un chèque de 80 000 francs? Bah oui, il les a perdus, il me les a donnés, il n'y a rien d'extraordinaire. Et tu crois que je vais te laisser escroquer les gens chez moi? Ah, ça y est, les grands mots, c'est reparti. Oui, escroquer, exactement! Ah, Martine, ne commençons pas à hurler, je t'en prie, ne faisons pas d'esclandre. Oui, j'ai gagné, on va pas en faire une histoire. Oui. Non, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Ah oui, mais moi, c'est ce que je voulais dire. Bon, tu as ce chèque sur toi? Je l'ai vu, le prendre, il a celui, il est là, il a mis. Non, mais je dis pas le contraire, mais calme-toi! Va prendre une douche. Évidemment, je l'ai, je le garde. Je ne veux plus te voir ici. C'est la dernière fois que tu mets les pieds dans cette maison. D'accord, c'est la dernière fois. Tu veux garder cet argent? Tu ne trouves pas que la plaisanterie est un peu longue maintenant? Et tatoue ce chèque, Fred. Tu l'as gagné. Moi, je t'ai vu jouer. T'as fait une belle partie, t'as complètement renversé la situation. Moi, je t'ai trouvé beaucoup d'audace, beaucoup de sang-froid. Et tatoue ce chèque, Fred. Merci, Georges. Je peux me servir du téléphone pour un taxi, s'il te plaît, Martine? Oui, je t'ai déjà dit oui. Vas-y, sers-toi du téléphone. Merci. Très aimable. Fred,
Tu me dois combien? Oh, je le vois venir. Et toi, Fred, tu me vois venir? Non, non, moi, je suis tout à ma joie, je ne t'écoutais que d'une oreille. Alors, je te demande, tu me dois combien à moi? 70 000. Oui, oui, maintenant, je te vois venir. Je vais te faire un chèque de 10 000 francs. Et tu vas me donner le tien en échange. Tu me dois 70 000 francs, tu as cet argent sur toi, tu vas me le donner. Et si je m'en vais, par exemple, comme si tu ne m'avais rien dit? Tu ne partiras pas d'ici avant de m'avoir remboursé, Fred. Il t'a payé ce qu'il te devait, t'as trouvé ça normal. Alors tu paies ce que tu dois. Donc tu m'empêcherais de partir? Oui. Physiquement? Ah bon, on va essayer alors. Ça peut se tenter. Eh oui, il m'en empêche, hein. Eh ben, on peut pas gagner à tous les coups, hein. Allez, vas-y, envoie les 10 000 balles pour rien. De toute façon, on ne les acceptera pas. Tu peux être fier, toi, hein. Oui, bonsoir, madame. Oui, je vais vous le donner, mais est-ce que ça vous dérangerait d'être aimable? Non, j'attends 10 minutes, je vous dis bonsoir, vous ne répondez pas, vous allez me raccrocher au nez maintenant, j'imagine. Ah, c'est une chance. Jamais. Non, jamais, personne ne parle jamais correctement, on n'est pas des animaux, merde à la fin. Ah, oui, d'accord, j'attends, merci beaucoup. Tout est réglé, je lui ai rendu son argent. Il est assis dans le clos. Très bien, très bien. Tu as très bien fait. Il était fatigué et il m'a demandé de vous dire bonne nuit. Ah, Fred. Il raccompagne Marilyn.